agir pour prévenir les morts accidentelles de dauphins dans les eaux européennes. C'est le sens d'une pétition émise par une trentaine d'ONG qui doit être transmise mardi à la Commission européenne. Selon le WWF, chaque année, entre 8 000 et 10 000 de ces mammifères marins meurent pris dans les filets de pêcheurs. Pour les protéger, l'Organisation de défense de l'environnement réclame l'installation de caméras à bord des navires. La mise en place de caméras, ça permet en premier d'identifier et de mesurer le degré de cas d'incident et d'interaction avec capture d'accidentelle, les zones, les pêcheries concernées, et donc de trouver des solutions avec les pêcheurs, car pour tout le monde aujourd'hui, le constat est négatif et ce n'est pas idéal du tout. Donc, ces caméras, elles aident à avoir davantage de données sur des espèces et le milieu marin qui sont à risque. Ces appareils permettraient aussi de fournir des données sur les zones et les périodes les plus dangereuses pour ces prises accidentelles. Les professionnels de la pêche sont partagés sur cette mesure. Pour les pêcheurs, l'emploi de ces caméras ne peut être que volontaire. C'est une mesure lourde d'installer des caméras sur tous les bateaux, peut-être des milliers de bateaux, juste pour vérifier l'ampleur de la problématique. Il y a des façons plus simples d'agir. On peut mettre des observateurs à bord. Cela a déjà été fait. Il en faudrait plus, je pense, mais cela a déjà été fait. Des caméras pour prévenir des prises accidentelles de dauphins est un peu étrange, je dirais. Des caméras sont déjà employées en Australie, au Canada ou aux États-Unis. Pour les ONG, cette mesure permettrait aussi d'associer plus encore les pêcheurs à la protection de l'environnement.